Eh bien, en visitant les foules dans les prés, sur qui sommes-nous tombés? Une équipe de Tweedill. Oui, vous connaissez la référence internationale des compléments alimentaires Tweedill qui sont là en train de regarder les foules. Beaux foules, hein, ce sont les miens. Blague mise à part, oui, nous avons ici Brieux de Moffart, le directeur recherche et développement de Tweedill. Nous avons ici Roger Crozet, le directeur des générales. Et nous avons Basile, je n'arrive pas à prononcer son nom. Schubiger. Schubiger, qui est le directeur financier et qui vont nous parler de foules. Et de foules qui ne sont pas encore sevrées, nous sommes en plein été, mais qui vont bientôt l'être. Brieux, Tweedill propose un programme spécial exactement pour le sevrage. Pourquoi? Bah, déjà, hein, c'est le bon moment d'en parler, puisque à l'entrée de l'hiver, il faut pouvoir mettre en place ce programme qui tient compte de deux éléments essentiels. C'est que le cheval, au sevrage, le foal va avoir un stress de la séparation de sa mère. Bon, ça c'est un stress un peu psychologique, mais également un stress un petit peu au niveau digestif, au niveau de l'adaptation qu'il va devoir faire. Et alors là, on a un premier produit qui agit, c'est le Tweedill Growing. Et ce Tweedill Growing va vraiment permettre d'éviter les stress du sevrage au niveau du métabolisme du cheval et en particulier sur le système digestif. Donc le growing, ce qui est très intéressant dans le growing, c'est en plus des vitamines et des oligo-éléments qu'ils contiennent et qui vont parfaitement se marier, ah, c'est pas ma fille, parfaitement se marier avec l'aliment de qualité, eh bien on va travailler avec des pré- et des probiotiques. Et ces pré- et ces probiotiques agissent sur la flore du poulain, qu'ils vont lui permettre de créer une immunité et donc une résistance aux maladies supérieure chez le cheval, avoir un impact sur le calme, sur le mental du poulain. On va éviter des accidents pendant l'hiver chez ces poulains-là, et aussi permettre un bon développement musculaire. Roger, on parle d'un produit qu'on va mettre avant le sevrage, pendant le sevrage ou après le sevrage, et comment, Brieux vient de parler d'éviter des accidents pendant l'hiver, comment le fait d'administrer un produit là au mois d'août par exemple, oui. Comment ça marche? Oui, ils ont du mordant, hein, mes foules. Hein. Je dois sentir le growing, je pense, parce que c'est un produit très appétant et il se précipite sur moi. Oui, bah, le growing, Brieux pourra le confirmer, on le commence au sevrage. Quoi. Oui. Au moment du sevrage, ça ne sert à rien de le commencer avant, c'est vraiment un produit de circonstance. Quoi. Et pendant combien de temps ça s'administre alors? Alors, ça va dépendre, bien évidemment, chacun a sa méthode, hein, mais en général, on compte quand même, disons, un mois ou deux pour qu'il y ait une bonne assimilation complète et que la transition se fasse. Ça, la période minimale, c'est ça, on est à un mois ou deux, et puis alors, comme on est en hiver et que les chevaux vont être plutôt rentrés, on va continuer jusqu'à la fin de l'hiver. Hein, jusqu'à la remise à l'herbe. Mais avec du growing ou avec autre chose? Growing. Et alors, on parlait des deux produits. L'autre produit, c'est le PMC. Et le PMC, lui, va agir non pas sur le métabolisme digestif, sur l'immunité, sur le développement musculaire, il va agir sur la structure du cheval. Roger, tu as quelque chose à dire? Non, simplement qu'effectivement, on présente les deux produits en même temps parce qu'ils sont extrêmement complémentaires. Voilà. La base, c'est le growing. Mais si on peut rajouter un produit qui va consolider tous les tissus durs et qui va permettre au cheval de faire toute sa carrière en limitant vraiment les risques d'incidents squelettiques, c'est-à-dire de l'appareil locomoteur, à ce moment-là, on ajoute le PMC. C'est quand même le choix du roi. PMC, qu'est-ce que ça veut dire? Protéine minérale complexe. Protéine minérale complexe. Voilà. Protéine minérale complexe. C'est un nom ancien qui remonte à l'origine du produit d'il y a 30 ou 40 ans. Mais nous, chez Tweedill, on garde les produits ne sont pas débaptisés au fur et à mesure de l'évolution de la science. On garde le même nom, alors que le PMC d'aujourd'hui, par exemple, n'a absolument rien à voir avec le PMC d'il y a encore 10 ans. Dans les grandes lignes, on va parler au directeur de recherche. Le PMC d'aujourd'hui par rapport au PMC d'il y a 10 ans, déjà, qu'est-ce que c'est dans sa base et comment ça a évolué? Alors, ça a évolué sur base aussi de la législation. Hein. On sait bien que la législation européenne change régulièrement. Et en essayant d'améliorer les capacités d'efficacité du produit, on est arrivé sur des extraits de colostrum. Voilà, on est parti vraiment sur des extraits. On parle bien du colostrum du poulain naissant, de la jument au poulinage. Exactement, le premier lait. Et alors, on sait bien que dans ce premier lait, qui est extrêmement riche, eh bien, ce premier lait permet de développer complètement un appareil locomoteur. Et en règle générale, tous les tissus. Y compris un an ou deux ans plus tard. Oui. C'est le même principe, en fait. Tant que le métabolisme est élevé, il va agir.
Voilà. Et alors, en plus de ça, la méthode qu'on utilise pour extraire les éléments du colostrum permet d'aller chercher des éléments tels que la lactoférine ou la lactoperoxydase, qui, où maintenant on est à 6 publications scientifiques qui montrent l'intérêt chez le cheval. Et on va voir qu'un poulain foal qui a été traité avec du PMC pendant tout le premier hiver, eh bien, va diminuer son risque de boiterie pendant toute sa carrière. Comment c'est prouvé ça, Roger ? Alors c'est prouvé par la statistique déjà, c'est-à-dire qu'on voit les lots de chevaux qui ont reçu du PMC et on suit leur carrière. Voilà, ça a été fait dans différents pays d'ailleurs, ça a été fait aussi aux États-Unis. Au Japon, en France. Et on voit les chevaux qui n'ont pas reçu du PMC, et à ce moment-là on se rend compte que les accidents locomoteurs sont beaucoup plus fréquents chez les chevaux non protégés par le PMC. Alors c'est pas une assurance à 100% bien évidemment. Évidemment, c'est du sport. On est tous entre gens de chevaux ici, on sait très bien qu'il n'y a pas de miracle, mais c'est quand même une belle protection. Nous on se rend compte que, bon nous si vous voulez on est les fabricants, on est là pour dire... expliquer comment les produits marchent, mais aussi on pourrait expliquer les limites des produits. Il ne s'agit pas de faire rêver les gens. Mais dans les chevaux, on ne rêve pas, parce qu'il arrive un moment, les éleveurs, les entraîneurs, les pré-entraîneurs, ils voient si le cheval il est fragile ou pas, au niveau ostéo-articulaire. Et là, on se rend compte que dans les grandes maisons, il y a beaucoup d'entraîneurs qui refusent de prendre des chevaux à l'entraînement s'ils n'ont pas été sous PMC. Alors, combien la cure en elle-même ? Puisque là, on va parler pratique, puis après, on va parler finance. Donc, on va demander au directeur financier de se rapprocher. Exactement. Parlons pratique. Le growing, on va parler du programme complet. Growing plus PMC, ça commence quand ? Ça s'arrête quand ? On commence au sevrage. 20 grammes de growing, 20 grammes de PMC. Par jour, jusqu'en janvier. Et quand on arrive en janvier, on va faire un switch progressif pour arriver à 40 grammes. On remet à l'herbe, évidemment, on nourrit peut-être un petit peu moins, donc là, on va arrêter. Et on peut recommencer, par exemple, le growing pour des ventes, pour retrouver de l'état un tout petit peu avant les ventes. Et l'autre période critique sur le growing PMC, ça sera après, évidemment, le pré-débourrage. Toute la mise au travail, le travail des chevaux avant les ventes. On sait bien que ce sont des chevaux qui ont besoin d'être beaucoup manipulés pour qu'ils arrivent dans un environnement calme, qu'ils soient vraiment bien mis. Donc là, toujours, on agit sur ce système mental géré par la flore. Je ne sais pas si vous saviez, le second cerveau de l'organisme, oui, c'est la flore. Et chez l'homme, c'est pareil. Chez le cheval, c'est pareil. Effectivement, oui. Pardon, c'est juste pour une petite histoire. Dans les vieux livres vétérinaires, on voit ce que nos ancêtres vétérinaires appelaient la joie des viscères. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est une belle expression, ça veut dire, et on le sait tous, ça veut dire que si un cheval est bien dans son abdomen, s'il est bien dans sa digestion au sens large, donc ça passe principalement par la flore, il est bien dans sa tête, il est heureux, il est serein. On reconnaît bien là le docteur Roger Crozet, je n'avais pas précisé parce qu'il est très timide, qui est donc effectivement vétérinaire de formation et de pratique avant de devenir le directeur général de Tweedil. Alors évidemment, quand on parle de sujets qui fâchent, on appelle le directeur financier. Basile, combien ça coûte ? Alors, bien sûr, pour le manufacturing et tout, ça coûte beaucoup. Alors, toutes les matières premières, mettre dedans, le truc... ça coûte très très cher à faire, et bien sûr ça coûte très cher aussi pour acheter, mais à la fin l'efficacité c'est bien sûr prouvé. Alors j'ai un cheval, j'ai 10 juments là par exemple, j'ai un lot de 8, bon on va arrondir, j'ai 10 foals, je veux faire mon programme, allez on va partir large, growing plus PMC, ça va me coûter combien dans les grandes lignes pour 6 mois, c'est ça ? Là, il y a l'affrontement, c'est bien, j'adore, il y a l'affrontement entre le coût de la production, parce que lui normalement il voit un petit peu ce que ça coûte à tout deal, effectivement c'est un produit non seulement cher à produire mais très difficile techniquement, ah oui, extrêmement difficile. Chaque fois qu'on a des productions, nous, on est un petit peu tremblant parce que c'est un produit très spécial. Arnaud, je crois que, effectivement, en tant qu'éleveur, ce qui t'intéresse, c'est le prix que ça coûte pour la gestion de l'entreprise, bien évident. Brieux, ça coûte combien par mois, Growing plus PMC ? Alors, Growing pour PMC, on va dire, si on fait le programme complet, là, il faut... pour faire peut-être prendre une petite calculatrice. En gros, pour 10 foals. On va mettre 500 euros par foal. Pour le programme complet. Pour le programme complet, tout l'hiver. En mettant 500 euros, on va gagner beaucoup plus. C'est surtout ça qu'il faut voir. C'est-à-dire qu'on va avoir déjà beaucoup moins de casse, moins d'accidents.
moins d'opérations à faire par la suite, des meilleures radios et des meilleures ventes. Les entraîneurs vont pouvoir entraîner les chevaux plus durs. Et donc, à terme, ce qu'on va retirer de ces 500 euros va être mesurable. Évidemment, sur un programme comme ça, le retour se fait que 3 ans plus tard, généralement. Hein. Mais le retour sur nos entraîneurs sont vraiment très intéressants. Merci. Je crois qu'on va s'arrêter là parce qu'on va se faire dévorer bientôt par les foules. Vous l'avez bien compris. Growing plus PMC, ce monsieur, c'est pas si cher que ça. Je vous taquine. Allez, merci aux éleveurs. Voilà, toute l'équipe de Tweedeal est là pour vous. Merci à vous.